Yo tout le monde, c'est Pierre. Alors on se retrouve aujourd'hui. Je fais une vidéo hyper rapide là, parce qu'en fait je vois que mes deux geckos sont en train de s'accoupler. Donc vous voyez, hop. Donc ce que va faire le mâle, c'est qu'il va choper la femelle au cou en fait, comme il vient de le faire juste là. Ah, j'espère que. J'ai l'impression qu'il s'est foiré. Non non non, pas la queue. Aïe aïe aïe. Ah non, la queue c'est pas bon. Oui oui, il se fight. Ok. Là, il essaye de l'immobiliser en fait. J'espère qu'il va pas lui déchirer la queue parce que j'ai vu sur internet, il y a des photos là. C'est pas beau à voir. C'est le coup qu'il faut que tu chopes, gros. Et en plus, j'ai vu qu'elle peut perdre sa queue en fait. Non, rentre pas, Ska. Merde, oui. Ah mince alors. Bon, bah c'est une défaite, disons. Là en plus elle est prise au piège. Ah bon, il a lâché. Ah non, il la rechoppe. Il la rechoppe. Bon mince, on voit pas bien. Vous voyez là, il monte dessus et hop, voilà, là ça y est. Il est en train de la féconder. Vous voyez, il a. Voilà, là ça y est, hop. C'est à ce moment-là. Voilà, ça y est. Là. Là, je vais avoir des petits dans. Donc là, pour les œufs, faut compter 3 semaines. Ah, je suis vraiment content. En plus, ça s'est passé devant moi. Voilà, ça y est. Voilà. Ah, génial. J'espère que vous voyez. Voilà. Ah, génial, génial, génial. Ah, je suis vraiment content là. Oh, plus ça s'est passé devant moi. J'ai vu qu'il se fightait là tout à l'heure. J'ai vraiment flippé. Donc voilà. Voilà. Petite vidéo exclusive. Voilà, donc Ska va être porteuse de bébé bientôt. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo rapide comme ça. Donc n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus les gars.